99% des gens, 99,9 même je pense, jouent comme ça. On te dit regarde tes games, les gens ils aiment trop dire ça, regarde tes games. En fait ils ont même pas la méthode d'analyse, tu vois. Tu dois te poser plusieurs questions quand tu regardes tes games. À chaque mort que tu fais, tu dois dire pourquoi je suis mort, pour quelle raison je suis mort. Je me suis engagé dans le duel trop tôt, j'aurais pas dû, je suis un 3v3, je dois pas le faire. C'est pas genre en mode j'ai décalé, il m'a mis un headshot. Ah j'ai décalé, il m'a mis un headshot. Ah j'ai décalé, j'aurais dû. Il faut toujours que tu trouves une solution en fait. Donc à chaque mort, il y a une solution. À chaque mort, il y a des morts que tu peux vraiment pas éviter, que tu peux quasiment tout le temps éviter. À vos ranks, vraiment. Et comment tu dis, comment j'aurais pu l'éviter? J'aurais dû me cacher plus de temps, j'aurais dû voir que mon coéquipier allait arriver, j'aurais dû demander une flash. Ah putain, il me restait ma caméra, j'aurais pu prendre l'info. J'aurais pu reculer, j'aurais pu décaler mais en coup d'épaule, j'aurais dû décaler plus large, j'aurais dû faire ci. Et tu te proposes un éventail de solutions. Et à chaque fois, dès que tu regardes une game, tu te comportes comme ça. Tu décales ici, tu te fais tuer par un mec qui est là-bas au fond, parce que tu voulais piquer un mec qui était là. Peut-être qu'il fallait le décaler par la gauche, parce que le mec ici, il t'aurait pas vu. Parce que tu t'exposes, quand tu décales à droite, tu t'exposes de là. Mais tu t'exposes de là-bas au fond, tu vois, de là-bas. Alors que là-bas, si tu le décales à gauche comme ça, tu t'exposes pas. C'est-à-dire que si ton pote il est ici et qu'il dit décale, 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 bah t'aurais pu éviter quoi. Tous ces trucs-là, faut voir quoi. Bah, lui il est mort. J'essaye de dog. Il y en a un qui est passé déjà à droite. Double door. Ce jeu de merde, c'est une dinguerie. J'avais oublié cette trappe de chien. Behind me. Ah, moi là. Eh ben, pourquoi je suis mort? Ah, c'est pas ma faute, tu vois. Dès que tu te regardes une game, tu te dis, vas-y, est-ce que là, je mérite de mourir? Est-ce que là, j'ai fait une erreur? Est-ce que selon vous, j'ai fait une erreur sur ce round, sur cette game-là, sur le début, là, le pistol? Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai commencé mon round ici, j'ai pris l'info. Je vois qu'il n'y a rien, je back up. Mon trou du cul de Brimstone, il est mort trop tôt. J'essaye de le dog pour le machin. Je fais le duel sur le... Sur la jet, je fais mon kill, je recule parce que je me dis ils vont repartir art. Je bloque le art, je vois qu'il y a rien, vas-y je retourne machin là, là. Et là j'avance pour essayer d'aller au backup. J'ai quelqu'un qui me lurk, merci au revoir, il a été meilleur que moi tu vois. J'ai fait aucune erreur. J'aurais pu jouer plus safe, plus pussy et tout. Mais je suis 2v3 dans la situation, je suis en infériorité numérique. Je suis en période de... Je suis en zone de retake, enfin je dois aller retake la bombe et tout. J'ai fait zéro erreur. J'ai lui, il parle pas. Voilà, j'ai encore une game où ça parle pas. Ça a l'air d'être passé partout. Là, ici, c'est pas cover. Lui, il s'en balèque aussi. J'ai aucun mec qui donne de l'information. Voilà, c'est Valorant. Voilà, je sais qu'il va le faire deux fois. Donc bah là, pourquoi je suis mort? Parce que je suis une merde, c'est tout. Mais est-ce que j'ai fait une erreur? Non. Je sais qu'il m'a lurké une fois. Je sais qu'il va refaire. Je suis dans son cerveau, tu vois. Il a des paires de couilles énormes. Là, c'est mon 3, regarde. Top 3000 là. Regarde. Top 3000 le deadlock en face. Tu vois là, celui qui m'a tué là. C'est écrit là. Y'a pas de com. Je rota encore une fois. Dans mes rotas, je dois m'exposer du mid. Et gna 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 gna. Donc en fait, maintenant, si tu veux que je sois vraiment genre. En mode de bonne foi, peut-être c'est de la mauvaise foi, tu vois. Bah, faut que je bait. Bah, faut que je pense qu'à mon cul et à mon scoreboard. Tu vois, là je fais table, je suis en 1-2. Bah, il faudrait que je sois en 2-2 pour assurer un kill par round. Et bah, dans ce cas-là, la prochaine fois, je retake pas. Je m'expose pas à des lignes de chien comme ça. Je vais rota par le spawn. Tu vas voir. Voilà. Je m'en bats les couilles, je l'accompagne pas. Voilà, je pense à moi. Et là, tu vas dire, ouais, c'est pas ta faute non plus. Là, il se fait doguer là-bas. Je m'en bats les couilles, voilà, je rota par là-bas. Là, je laisse ici tout exposé ici, je lui dis pas à lui que c'est possiblement art. Je m'en bats la race. Moi, je prends que le water ici, voilà, au cas où. Je m'en bats les couilles, je vais pas heal lui. Lui, il a un mec dans le dos.
et je m'expose pas, tu vois. J'ai peur de cette ligne parce qu'il l'a pas, tu vois. Et j'ai peur de là, donc je regarde mon cul. Ah, bah mince, on va jouer comme une salope maintenant. Et là, je décale maintenant. Oui. Voilà. Voilà. Et là, round de salope, round de baiter inutile, mais j'ai fait un kill et on a gagné. Voilà, et là, tu te fais passer pour un grand joueur de jeux vidéo. 99% des gens, 99,9 même, je pense, jouent comme ça. Joue comme ça. Je n'ai servi à rien du round. J'ai pas mis une flash, j'ai pas mis un dog, j'ai pas repris l'information. Je n'ai jamais rotate pour aller aider là où il y avait de la faiblesse. Je n'ai servi à rien et j'ai fait un kill. Alhamdoulilah. Tu peux le voir, je m'en bats les couilles de là-bas. Alors que je devrais, je sais pas, mettre une flash. Y'a rien, là je vois qu'il push. Je push. Je vois qu'il s'expose pas d'ici, donc j'y vais pas. Maintenant il s'est exposé, donc là maintenant j'y vais. Je m'expose pas de cette ligne. Je garde une ligne cassée ici. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Je vais faire un double lurk parce que je suis une grosse merde. Voilà, alors que normalement je devrais aller double porte. Sache que normalement je devrais aller là. Parce que lui il a renfermé. Je vais renfermer avec lui. Là, il croit que je vais passer devant lui. Il veut pas. Moi je le fais. Et maintenant je m'en bats les couilles, j'ai fait du bruit. Il y a des mecs dans le dos. Je vais mettre de la pression parce que je suis pas un baiter. Oui. Et la jet. La jet s'en bat les couilles. Window, window. He just put a trap. Yeah. Regarde la jet, j'ai envie de lui casser la gueule, frère. Il avait tout le cul, il est reparti. Et là maintenant, on dort en retard là-bas, frère. En 4v3 avec 10 secondes de backup. Ah, maintenant, moi j'ai peur d'ici, parce qu'il y avait le deadlock là. J'aime trop lurker sa grand-mère. Maintenant, je vais l'attendre. Bon, s'il est là, tant mieux, s'il est pas là, tant pis. Voilà, c'est. Je vous jure que vous vous rendez pas compte qu'il y a 10 mondes d'écart entre la ranked solo queue, la ranked 5 stack, les VRC, les VCL et ensuite les VCT. Et à chaque fois, il y a 3 milliards de mondes d'écart. Là, je devrais prendre l'info. Vas-y, je m'en bats les couilles, je vais le faire. Enfin... Hard close, tu vois. Je sais que ça pue, quoi. Je vais le bait à lui là. Art. Dead trap, don't go here. J'ai passé flower. Ça peut être devant moi. Rien. It can be close. On a foutu, on met des flash team. Là tu vois la gauche et à droite d'une smoke toujours, parce que c'est les lignes où les mecs ils vont décaler. Tu sais que les mecs ils vont décaler soit de là, donc faut longer les deux sprays et puis c'est tout. In the U. CT, one, elbow. On va regarder le cul quand même un peu. Mec qui va là-bas. J'essaye, hein, c'est trop dur. Non. Someone need to hit the bomb, hit the bomb, someone. Crampe Athéna, vraiment, moi je vous le dis, hein, si vous voulez progresser en solo queue, focalisez-vous à prendre un main agent et focalisez-vous sur vos setups, vos traps, machin, ce qui se passe, comment rota, faites vos kills, vraiment jouez genre les stats et tout pour être un bon joueur individuellement, mécaniquement. Genre vous ne progresserez pas en vision de jeu, en machin, en ceci, en cela. Les gens c'est des clochards, ils parlent pas, aucune com, aucune info, aucune grinta, pas d'envie, pas de collectif, ils s'en battent les couilles, frère. Prendre l'info là-bas. Elbow. Heart. Pushing on B. Gonna take info double draw. Go B, Brimstone, go B. Yeah.
Brimstone, c'est vraiment une merde. Ah, pour toi, pourquoi tu es mort? Je suis mort parce que je veux aller aider mon Brimstone. Je m'expose, je m'expose ici en fait. En fait, j'ai pris l'info ici, je sais qu'il y a du monde, ça déclenche en B, donc j'ai voulu vite dog pour que mon pour stun le mec, mais Brimstone regarde comment il a rota comme une merde, il est naïf d'ici. Moi, j'ai peur d'ici. Moi, j'ai peur d'ici que c'est pas ma zone. Le Brimstone n'a pas peur alors que c'est sa zone. Donc je dog pour lui, je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il crève, je me dis vas-y, faut que je revenge, faut rattraper le bordel. Bah, j'en fais un, j'en fais pas deux. Merci, au revoir. Je peux pas faire plus. Si je suis scream, j'en fais deux. Je suis Malek, donc j'en fais un et merci, couche panier, retourne round d'après. Brim fait de la merde. Là, je meurs à cause de mon coéquipier. Parce qu'il me fait over rota, parce qu'il défend pas sa zone, parce qu'il pique pas sur mon dog, parce qu'il rota lui naïf. Lui, il rota naïf en mode il croit la map, elle est à sa daronne. Voilà, il croit il a toutes les zones, vas-y. Genre, il est là. Le Brimstone, il fait que jouer là. Tous les rounds, il est là. Tous les rounds, il est là. Il a fait ça. Il regarde même pas derrière lui. Il se dit pas, ici, il y a du monde. Genre. On a un deadlock. Jamais il a mis un trap ici non plus. Ah, c'est. Tu veux que je te dise quoi? Là, vu que ça me saoule, on va jouer des duels. Genre. Et là, maintenant, c'est 50-50. Là 5v4, je veux plus le jouer. Vu qu'il y a un trap ici, ça sert à rien. Vu qu'il vient de faire kill ici, Brimstone, push B Brimstone. Ce trou du cul devrait push lever parce qu'on sait qu'il n'y a rien normalement. Ah. Je suis mort. Allez, Steph en main. Pourquoi je suis nul comme ça? Et lui, j'ai mis 117. Last 1 HP, 1 HP last. Là ici fin kill. Là ici c'est bloqué, il y a le trap. Je sais forcément que le danger il est là. Je veux dog, mais vu que je vous parle, je prends 3 secondes de timing dans mes dents. Et Brimstone encore une fois fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. The dog was same main last time. Oh, meet. Double door the dog. Last pillar. Yeah, I know. Ah, le deadlock, je savais qu'il allait être encore là. Parce qu'il croit que la map elle a sa daronne. Yeah, go please. Let's play 2 elbow and we're good. Let's go with me. Let's go with me. 3, 2, 1. Là, je m'en bats les couilles, je décale accroupi large parce que je sais qu'on va décaler à deux. Donc je fais une décale large, comme ça, moi, même si je meurs, mon pote va faire le kill. Donc là, c'est pour ça que je fais une décale moisie comme ça. Parce que je sais que je suis 2v1, qu'il faut qu'il y en ait un qui meure pour l'autre, au moins pour assurer le 1-1, tu vois. Il faut pas commencer à faire des petits décales comme ça, genre en mode. Tu vois, les mecs de la box style là. Tu sais, les mecs, il y a les mêmes sur CS et sur Valorant. Ils font des décales, genre en mode strafe à droite, strafe à gauche. Ils font des trucs comme ça, t'as envie de les fracasser. Décale bien large, meurs et ton pote revenge, s'il te plaît. Ah, les décales larges, ouais, c'est grave nul. Ouais. Faut pas les faire. Toujours le même danger. Voilà, il croit que la map elle a sa mère. Bien frappe. Mid one. Brimstone, my friend. Le Brimstone me pulvérise ma game. Il me casse le cerveau. Le Brimstone me casse le cerveau. Mets des smokes, je t'en supplie. Fais quelque chose. Arrête de leur donner la double porte. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je dois jouer pour moi. Toutes les morts que j'ai eu double porte, c'est de ma faute personnelle. On veut, par mauvaise foi, mettre ça sur le dos de Brimstone. Sachez que je devrais pas, en réalité, et je devrais comprendre. Et enfin, je l'ai compris, mais je suis entêté. Et j'aurais dû comprendre depuis longtemps que Brimstone est bête, on n'a pas le même niveau d'analyse, et qu'il ne jouera jamais sur le dog. Il va jamais se moquer la double porte. Il va toujours faire de la merde. Donc il faut que je délaisse la zone et que j'aille jouer ailleurs, en fait. Ils sont passés. Oh, c'est des zinzins. On va prendre un 2v.
peux. Et là t'as. Les trois ils sont arrivés par là. Ils ont laissé le mec à l'USP ici qui fait le round à lui tout seul. Vraiment le niveau du gars. Donc là vous voyez encore une fois la naïveté du Brimstone. Il croit la map elle est à sa mère, que tout lui appartient, qu'il ne peut avoir aucun ennemi en face de lui. Et Deadlock je sais pas ce qu'il fout aussi frère hein. Il a mis une grenade là, je comprends pas. Ah je vous le dis, après c'est Valorant, hein, je vous le dis. Et personne ne parle, hein, personne n'est muté, il n'y a pas de toxicité, je leur ai jamais parlé, j'ai jamais manqué de respect. Personne ne parle, pas une com, pas une info, pas ouais 3-2-1 on y va et tout machin. Window and double door. Regardez le Brimstone, bah il est mort, hein. Regardez. They have made everything. Là je farm mon orbe et j'aurai toutes les infos. C'est bon, ils ont pas planté la bombe. Wait my ult, wait my ult, wait my ult, please. I'm coming close to you and you go and wait my ult. J'ai peur d'ici. Il m'avait trap le deadlock, donc on est pas trop mal. Non, non, non. Lui il passait en slow. Bah ouais, lui il passe en slow. Vivi, il se dit pas ouais on va diffuse la bombe. Il se dit pas. Je dois toucher aussi. Le deadlock ne sert à rien. Il ne touche pas la bombe. Il rota en slow. Je dois venir à côté de lui. Je dois moi toucher la bombe. Je dois tout faire. Et bien évidemment, il est en plein milieu du pilier pour ne me cover d'aucune ligne d'ici. Alec, meilleur joueur du monde. Non, je suis éclaté au sol. Moi. Je suis meilleur que la moyenne des joueurs. C'est déjà bien. C'est un accomplissement que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et ça veut surrender alors qu'il y a 6 à 6. Je répète, 6 à 6. Hein. On ne se fait pas poutrer 11 à 1. Il y a 6 à 6. On a littéralement Brimstone qui est je sais pas dans quel monde. Moi je meurs beaucoup, enfin, c'est ma faute, c'est inattention, je parle beaucoup aussi. Le deadlock, je sais pas trop à quoi il a servi non plus, il a jamais trappé ici, il a jamais rien fait non plus. Et j'ai Reyna Jett, bien évidemment le duo d'agents les plus utiles du collectif. Et personne ne parle. Même pas le pire c'est pas que personne parle, le pire c'est que personne écoute. Là on repart en B mais lui il lurk quand même le vagin. Moi j'appelle ça vagin les gars. Je rota en même temps que lui qui lurk depuis 10 minutes. It's heaven. City. Comme City, je viens de le push. Allo? Oh non! T'as pas reload! T'as pas reload devant moi quand même, avec un HP frère. C'est très bête ça. Ah, ça veut re-surrender alors qu'il y a 7 à 6 désormais. Sky, can you try to destroy trap with your dog? Première fois! En 13 rounds, 14 maintenant, parce qu'on est sur le 14. Première fois en 14 rounds que j'entends la voix de Jett. Il s'en bat les couilles sur le CT side parce qu'il fait que ses moves. Et en terreau, par contre, il a besoin d'une Sky pour lui mettre une flash et un dog. Pour se mettre en sécurité. Nothing close. Nothing behind. Nothing pit. Oh, vu que je suis un gogol. They're all behind you guys. Sont les ennemis. Oh, secret. Oh, secret, s'il vous plaît. Ah, il veut dire pit. Pas un kill d'écho pour la Sky. J'ai plus de balles, je suis trop con frère. Deadlock or secret too.
Be careful. I fly secret, no one. So he's sitting. Cover. Yes. Flower, flower. Dink, dink, dink. This one HP. Don't peek, should be. Garde le deadlock. Dès qu'il a entendu un HP, il s'est transformé en un trifragger. Il est plus agressif que Jett avec un dash. Ça c'est la maladie du bait les gars. Tous les baiteurs de l'univers, dès qu'il n'y a pas de gilet pare-balles en face ou qu'il y a des gens low HP, c'est petit footing matinal. Tu vois des petites meufs en legging, paire d'Azix, trop stylé, fluo et tout, direct. Oup, un HP. Ça court sur la map comme ça. Quoi, c'est de l'écho? Regarde là, c'est de l'écho. It's echo my friend. Regardez-le, regardez. C'est de l'écho, c'est de l'écho. Double door, double door. There are double door on the right side. Street, street. C'est pas de l'écho, ils ont 4K, 5K. Mais regardez la motivation direct. Oh, sorry, no tico. Non, je suis plus dead. Minus 50 box edge. Deadlock, no HP. One happened, one bit. I'm fucking retarded, my fault. Heaven? Heaven and mid. This to play. Just never pick, never pick. Stay where you are. Never, never pick, never pick. Don't pick. Pick, vas-y. S'en bat les couilles. Il fait pas les kills, on perd le round. Now it's Ico, guys. From Peter to Mbappic. Non, vraiment, c'est trop. Je vous jure, c'est trop. I'm gonna dog insta double door. It's going back, it's going back, it's done. Now it leaks. Come here. Art. I've got CT. I'm planting for CT then. CT coming. I try to come after. One more CT. Both CT, both CT, both CT. Go ult Brimstone, go ult. I'm gonna stun him. Go ult, he's in elbow. Jetman is 80. What side the lock still? Oui, oui, oui. The lockbox side. Dommage. Voilà. Alors. Une merde. Je me suis dit je vais me faire ulti par deadlock et je suis mort avant. J'aurais bien mouru avec l'ulti de deadlock. Ça m'aurait fait utiliser son ulti. Mouru, ouais, j'ai dit mouru. J'ai fait exprès les gars, hein, au cas où. Je vois il y a des gens ils sont outrés par le vocabulaire de la jeunesse décadente française. Comme t'es... One more, fade is here. Left side, left side. Pourquoi c'est moi qui meurs? Behind, behind, bomb, 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 bomb. S'en battre les couilles de la bombe. Où c'est? Il y a mon titi. One arc, it's already sight. We should take mid, Verena. We should take mid, we go back to art and we win the round. Still holding. You and me. Trop grave qu'il ait tout son kit encore ce chien. No HP, no HP Viper. One kit, nice. Last one, no.
J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. I have no time. Non, non, non. Ah merde. 12 à 9, on a fait crasher les ultis, ils ont 3k de monnaie. En vrai, c'est pas mal, hein. Si Brimstone va chercher une orbe, come Brimstone, you need to take orb. Take orb here, please. You take orb, listen to me. You take orb, after that I dog. And on my dog, you use ult. Is that okay for you? Is that okay for you? Yes, yes, you understand. On my dog, let's go, bro. Aïe, aïe, aïe. On my dog, baby. Set. On the smoke, on the smoke, on the smoke. On the smoke. One city, city. J'essaye, hein, j'essaye, hein, d'aller mollo tout le monde, de flash et... Art, 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 art. C'est une victoire qu'on ne mérite pas sur un jeu très aléatoire avec une communauté pas très réceptive, ni communicative, ni joyeuse. C'est bizarre, quoi. On a gagné cette game. Ils ont voulu surrender. Trois fois, je crois. Ils ont voulu surrender deux ou trois fois. Ça leur qu'à tout va. Pas un mec qui comme. Voilà quoi. Je comprends pas. Ah non, mais ça, c'est comme ça, Nikos. Hein. Le rôle de Sky, de Fade, c'est tu prends tes couilles, tu traverses les smokes, les molos, les trappes, les murs, les reveals, les caméras, tout. Tu traverses, tu cours, tu fais de l'espace pour les gens. Et derrière, la. Le bus il arrive derrière, tu vois. Toi t'es la locomotive et derrière t'as tous les wagons qui arrivent là. C'est à ça que ça sert, gros. Tu prends, tu dis viens, je vais flasher, prends ton orbe, je vais dog, fais ça, prends l'ulti. Après t'as tous les autres qui prennent les espaces derrière. T'es là, tu cours BP, tes soins en main. Tenez, je vous heal. Tu meurs comme un nullard. Et c'est à ça que ça sert, hein. Bon, je devrais bait. En vrai de vrai, je vous le dis, je devrais bait. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai trop joué en équipe toute ma vie pour jouer pour les stats, pour le solo play, en fait. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Je préfère gagner, péter mon crâne comme ça que... Parce que je vais vous donner l'autre mentalité des joueurs qu'il y a en France. Je préfère gagner, péter mon crâne comme ça que perdre, jouer pour les stats et flexer dans le chat. Ah putain, mes teammates, ah là là, j'ai 35 kills, putain. Pff, ouais, j'ai personne, hein, j'ai personne avec moi. Hein. Ah, Jet Diff, hein, Reina Diff. Hein. Vous les connaissez ceux-là, non? Ceux-là, je crois, ça fait partie des pires humains de l'univers, parce que c'est des gens qui baitent aussi, en fait. Autant t'as ton équipe qui est pourrie, c'est vrai, mais toi, tu fais pas en sorte de gagner non plus, en fait. Toi, tu fais pas en sorte de gagner non plus. C'est ce que les gens doivent comprendre.